pour les masques, j'étais pas très. Au début, je disais que si on n'a pas de symptômes, ça servait à rien. Et encore ce matin, j'ai fait un post pour dire qu'on aurait dû en distribuer dès mi-février. Oui. Non, moi j'étais pas forcément destiné à ça. Hein. Pour vous dire, jusqu'à mi-mars, j'étais prof de sport. Puis quand j'ai vu l'ampleur de l'épidémie, je me suis dit que le monde avait besoin de moi. Donc j'ai fait ma formation express. J'ai regardé BFM toute la journée. Et depuis, ben, je profite de mon savoir pour le dispenser à mes amis, à ma famille et puis à mes patients. Et tu tousses sinon un peu? Non. Ah non plus. D'accord. Enfin, méfie-toi quand même, hein, t'es peut-être asymptomatique. Ouais, bah tu peux faire une surréaction immunitaire et dans 2 jours, t'es intubé. Ah non, mais il faut se méfier. Non, mais c'est un virus qu'on connaît très mal et c'est normal qu'il fasse peur. Regardez, même moi, 3 semaines que je suis dedans, j'apprends encore des choses. Pas plus tard qu'hier, sur Twitter, j'apprends que ça peut toucher particulièrement les roues. Petit à petit, on apprend, on comprend. Mais je pense qu'à travers la connaissance, l'échange, on battra ce virus. Jusqu'à ouais, mi-mars en gros, moi je disais que c'était qu'une grippe. Hein. Bon après maintenant, évidemment, j'accuse le gouvernement d'avoir tout fait trop tard. Pour les masques, j'étais pas très. Au début, je disais que si on n'a pas de symptômes, ça servait à rien. Et encore ce matin, j'ai fait un post pour dire qu'on aurait dû en distribuer dès mi-février. Oui. Non, je vous l'ai dit, je le répète, la chloroquine seule, ça ne marche pas. Non mais arrêtez d'écouter tout ce qu'on vous dit aussi. Elle ne marche que si elle est cumulée à un antibiotique type azithromycine. Oui, ou Tafalgan. Oui, ou de l'eau salée, bien sûr, de l'eau salée, bien sûr. Merci. Allez, je vous laisse. Pardon, excusez-moi, c'était CNews, ils m'appellent tous les jours en ce moment, ils veulent absolument avoir mon avis. Bon, ben voilà, j'essaie de répondre au maximum aux demandes. Oui, le professeur Raoult, oui, bon, ben, j'ai pas lu son étude, hein, mais j'ai vu l'interview dans Paris Match. Ce que j'en pense, c'est que la médecine, c'est sérieux. Hein, même quand on a les cheveux longs, il y a un protocole à respecter. Je pense que ça a été quelqu'un peut-être de très important dans la virologie, mais qui a fait son temps. Voilà, non, je pense qu'il est dépassé depuis au moins... Oui, 72 heures, au moins, au moins. Non, le message que je tiens impérativement à faire passer aux Français, c'est prenez ce confinement au sérieux, restez chez vous. Il n'y a que comme ça qu'on peut battre ce virus. Et puis, c'est aussi un peu de respect pour les gens qui, comme moi, se battent en première ligne. Ok, aujourd'hui, mais un mois de confinement, calculez les données chiffrées de ce que ça peut donner sur le PIB. Non mais oui, c'est très important. Ah, pardon, excusez-moi, c'est LCI, je dois répondre. Oh, Raoult, ne me parlez pas de Raoult.